La cérémonie d'hommage aux 17 victimes continue à la synagogue de Paris. Le grand rabbin de France s'exprime sous les yeux de François Hollande et de Benjamin Netanyahou. On va écouter ce dignitaire religieux, représentant de la communauté juive. Grand rabbin de France. J'entends toujours la voix de mon maître, le grand rabbin Shushna, me dire « N'ayez pas peur ». J'entends toujours la voix du grand rabbin Kaplan, qui était si longtemps cette synagogue, nous dire « Je n'étais pas un planqué ». Il me parlait de sa guerre de 14-18, « Je n'étais pas un planqué ». Nous ne serons jamais les planqués de l'histoire. Jamais. Je n'ai pas l'habitude des meetings politiques, j'ai plus l'habitude des synagogues et je ne veux pas dire ce qu'on aimerait entendre. Je veux vous parler simplement parce que on a besoin d'entendre des choses simples. Ce qui s'est passé aujourd'hui fait et fera désormais dans l'histoire de France et dans l'histoire du monde du 11 janvier 2015 une date peut-être aussi célèbre que Marignan. 500 ans après, voilà un temps où la France redevient le phare du monde. Dans le monde entier, on a vécu ce jour avec nous, parce que simplement aujourd'hui, nous avons considéré que, ici et maintenant, il était impératif de revenir sur le triptyque de notre République. La France n'était pas simplement liberté, égalité. Il manquait fraternité. Une France où il manquerait la fraternité serait qu'une France réduite aux acquis. On donne la liberté aux uns aux autres, on donne l'égalité, plutôt l'égalitarisme. Mais qu'est-ce que la France sans la fraternité, sans la possibilité de rencontrer l'autre, sans le respect, sans porter ceux qui sont faibles, sans cette capacité à être nous-mêmes, à être grands parce qu'on supporte ceux qui sont faibles. Et je voudrais vous dire, chers amis, que finalement, la France, celle qu'on a vue aujourd'hui, dans les rues, celle qu'on a vue aujourd'hui dans les rues du monde entier. Cette France, elle est exactement à l'image de la Jérusalem de la Bible. Qu'est-ce que c'est Jérusalem dans la Bible ? Jérusalem, c'est un endroit où deux frères, un jour, par amour l'un de l'autre, ont voulu faire le bien de l'autre discrètement. Et lorsqu'ils se sont retrouvés l'un l'autre, se jetant dans les bras l'un de l'autre. Ils ont pleuré de bonheur de se retrouver. Et pleurant de bonheur, leurs larmes sont tombées au sol. Et Dieu a dit, c'est à cet endroit-là que je veux construire mon temple. C'est dans les rues de Paris. J'y étais, vous y étiez tous. Nous y étions tous. Et nous avons vu que c'était ça la France. Un endroit où, quand on croise quelqu'un, il souriait. Il n'y avait personne de grincheux, personne de malheureux. Et il a fallu la mort de 17 personnes pour arriver à cela. Et il faut que nous soyons capables de faire notre devoir. Il y a un grand rabbin de France qui poursuit son discours à la grande synagogue.